Nous avons tous vu, par exemple, après mon direct d'hier, annonçant ce qui arrive et ce qui est arrivé à Saliba. Ce matin, j'ai été désagréablement surpris, pour ne pas dire agréablement surpris, que la dame Soso Lambassi aurait fait un direct en mettant mon nom dedans. Elle ne m'a pas manqué de respect. Elle a juste dit dans son direct que l'information qu'on m'a donnée hier n'était pas complète. Que c'est-à-dire c'est elle qui a les informations complètes, quoi. Je suis en train de faire le petit résumé de son direct. Que dans son direct, selon elle, la rencontre d'histoire, ça a été... Heureusement, quand je fais mes directs là, je précise. J'ai toujours précisé. On m'a informé. J'ai reçu cette information. Allons vérifier. Je l'ai toujours dit comme ça. Et hier encore, vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu hier. Nadi, comment vas-tu? Dans mon direct, j'ai dit, j'avais juste fini mon principal direct. C'est lorsque j'ai retenu dans ma voiture, je voulais partir à Trenton, quelqu'un m'a appelé pour dire que Saliba venait d'être arrêté. Mais comme moi, je partage les infos. Je vous ai tous dit, quand j'ai une information, je la partage. C'est ce que j'ai partagé hier. Et selon elle, qu'elle m'a appelé, j'étais busy. Et pourtant, j'avais fini mon direct. Il y avait même une grande amie qui voulait intervenir pour la première fois. Elle voulait intervenir sur ma page. Mais j'avais déjà raccroché. J'avais déjà coupé le direct. Et elle a été surprise ce matin de constater que c'est vrai. J'étais au boulot quand je suis rentré. Je n'avais pas vu la vidéo. C'est un frère qui m'a envoyé le résumé à travers un vocal. Un frère qui a dit, mais qu'est-ce que la dame l'a fait? Elle dit ceci, cela. Dit, non, il faut laisser tomber ça. Laisse tomber ça. Maintenant, quand j'ai vu la vidéo, je l'ai appelé. Moi, je vous dis que je ne suis pas dans midi 14 pour quelqu'un. Je suis 24 heures sur 24 sur quelqu'un. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Elle a voulu faire la blague. Non, moi, je t'appelle, tu prends. Moi, j'ai dit, je ne t'appelle pas. Je ne t'appelle pas parce que je veux t'appeler. Écoute-moi très bien. Quand moi, je veux faire une vidéo contraire à la vidéo d'un blogueur ou d'un communicant, je fais ma vidéo pour dire, voilà une information, voilà ma part d'information sur le sujet-là. Mais je ne viens pas de taguer ma Benito. L'information qu'il a reçue n'est pas complète. Toi, tu es aux États-Unis, je vis aux États-Unis. Ceux qui t'informent là, moi, peut-être c'est les mêmes personnes qui m'informent, mais ceux qui n'ont pas les mêmes personnes qui nous informent. Donc, tu as ton information, j'aime les miennes, donc je ne sais pas où est ton problème. C'est ce que je l'ai dit au téléphone. J'ai dit, moi, je n'aurais pas fait la vidéo, la venant dit que non, l'information que mon chéri Benito a reçue n'est pas, ne perdrai pas mon temps sur ça. Je ferais simplement Saliba n'a pas été arrêté, Saliba, je connais, n'a pas été arrêté. Et toi, tu es là, tu dis qu'elle n'a pas été. Mais, c'est ce que je lui ai dit. Moi, il dit, je ne t'appelle pas parce que je vais t'appeler. Tu as vu les informations, non? Jusque là, elle ne m'a pas répondu, hein. Elle va voir la vidéo, elle va venir ici. Je dis, tu as vu les informations. Saliba a été auditionné ce matin à la gendarmerie. C'est son ami qui m'a appelé, son propre ami, avec lequel ils étaient ensemble le jour de revenu du Canada, du Cuba. C'est tout. Il dit, ah, mon ami a été arrêté. Non, il dit que son ami, depuis qu'il est parti, à une réunion là, on ne l'a pas vu, on l'appelle, aucun de ses numéros ne passe. Oui. C'est-à-dire, le gars m'appelle, il dit, mais nous sommes inquiets, nous avons appelé Saliba, aucun de ses numéros ne passe. Et toi, tu dis le contraire, tu dis non, il n'a pas été arrêté. Et ce matin-là, le monsieur se retrouve face à face avec la gendarmerie. Il y a un activiste qui m'a appelé pour dire, ah, quelqu'un l'a appelé au père, que Saliba a été maltraité par les demandes de force spéciale. Il y a toutes ces informations. Mais moi, je ne perds pas mon temps sur ça. Il dit, ah, Benito, apparemment, tu avais raison. Il a été maltraité toute la nuit par les forces spéciales. Vous avez vu des choses comme ça? Au lieu de se battre pour défendre, parce qu'ils sont en train d'éliminer tous nos officiers supérieurs. Ils sont en train d'éliminer tous les vrais militaires. Le pays est en train de liquider l'essentiel de nos militaires, de nos chefs militaires. Bon, ça, c'était entre parenthèses.
Il n'a qu'il y a vidéo là-bas. Il n'a amiré la vidéo et macho. Il fallait vidéo là-bas. Mais la vidéo cinéma. C'est pas intéressant. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, je ne viendrai jamais faire une vidéo parce que je veux faire la vidéo. Non, Marabama. Une vidéo là-bas, après avoir récupéré toutes les informations. Parce que, non, mais c'est quand la mamie est cuite, quand c'est bien cuit là que tu fais l'info. Comment, Estella, Fatima, comment vas-tu, ma chérie? Comment vas-tu? Donc, on met ça de côté. Stella, Fatima, comment vas-tu? Donc, je voudrais m'adresser à Sozo d'abord. Pour un premier lieu, je voudrais m'adresser à Général Biss. Général Ibrahima Sori Bangoura Biss, tu es un enfant de ce pays. Tu es un militaire aguerri. Général Biss, Général Ibrahima Sori Bangoura Biss, il n'y a pas une formation militaire, grand frère. Dans ce pays-là, Général Biss, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été dans toutes les formations de l'armée guinéenne. Général Biss, c'est vrai. Tant que le ministre d'Afrique de n'a pas dit le nom des militaires sous-sous, il n'a pas compris. Hein? Anoa Benito, il aime dire le nom des militaires Soussou. Je ne suis pas dans l'affaire de Soussou Malinke. Vous le savez très bien. Irlina Tongona Fala. Je ne suis pas en train de vous dire, mon général, d'intervenir ou bien il y a scène de là-bas, non. Parce que, au fait, Yakolo, tu n'es pas le vrai chef d'État major de l'armée. Bidnakolo, le vrai chef d'État major de l'armée, c'est Bala Samoura, le neveu de Idi Amin. Tu sais très bien que celui qui est en train de détruire l'armée, Yakolo, c'est qui? C'est Idi Amin. Idi Amin n'est pas un militaire, c'est un gendarme. C'est un gendarme, ce n'est pas un militaire. Salam, comment vas-tu, ma sœur? C'est un gendarme. Un petit gendarme, un vieux gendarme. Général, mon général, mon adresse est faite parce que tu me plais ou bien tu ne me plais pas, hein. Je ne suis pas contre toi. Avant que les gens disent non, il a dit le nom des militaires sous là. Non, il n'a pas fait obé. Mon général, donnez-moi le nom de tous les officiers supérieurs qui ont été formés tout le temps de l'ancienne compte. S'il y a un aujourd'hui qui est bien placé, qui est en formation, peut-être toi seul. Ikere, aujourd'hui, je veux juste, mon général, que vous regardiez la vie militaire guinéenne. Regardez l'armée guinéenne. Mon général, regardez l'armée guinéenne. Mon général, armée Mato. Ou armée Mato. Ils ont gâté tout. Vous pensez que nous n'avons pas besoin de l'armée après cette junte-là? Ou bien l'armée ne doit plus exister après Doumbouya? Donc, si je vous comprends, l'armée se limite à quoi, mon général? L'armée se limite aux forces spéciales. Dis, mais ils sont inexpérimentés. Ils sont inexpérimentés. Vous avez vu comment ils ont fait ce Sadiba? Wallah billah talay. Si Sadiba était malhonnête, une descente comme ça là, moulahara, si un élément de force spéciale, si un seul allait s'en sortir, tellement d'abord ils connaissent pas la stratégie militaire, ça c'est un. Ils ne connaissent pas comment attaquer le domicile d'un ancien militaire. Deux, troisièmement, ils étaient partis à l'abattoir. On ne fonce pas directement sur le bâtiment d'un ancien chef d'état-major général de l'armée. On ne fonce pas dans le domaine, c'est-à-dire sur un ancien militaire, aguerri, Issa Diba Kolo. Aurait été une autre. Wallah, imaginez que c'est Claude Pivi qui a été débarqué en état-major en Aronne tranquillement. On dit oui. Et les forces spéciales, des enfants immatures, inexpérimentés, nègres, bourreaux, et puis ils foncent sur la porte. Mais qui ne connaît pas la stratégie militaire des vrais officiers militaires? Parce que, Biria Kolo, aucun militaire ne loge à Moumirife comme avant-garde à domicile. Biria Kolo, tu as vu quel militaire qui est logé
C'est pas ceux qui vivent à l'intérieur de la maison, mais ceux qui sont à l'avant-garde avant qu'on ne vienne chez lui. Vous imaginez s'il avait les armes. Imaginez-vous qui s'il avait les armes. Imaginez-vous s'il était bien armé. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il suffit de faire sortir ses petits. Allez vous cacher. Ah, et Rafa. Hein? Non, mon ami, je ne te réponds pas. Tu cherches vie. Eh, Mayatou, attendez, je vais te bloquer. C'est simple que ça. Excusez-moi, minute. Je n'ai plus le temps pour des petites délinquances sur ma page. Aurait été. C'est... Mais imagine, un chef. Hein? Anaradi, Meramini Maneno, et Siga, et tu à un kilomètre. La façon dont les petits immatures là ont foncé sur sa maison. Et va m'en être derrière elle seulement. Et puis les massacrer tous. Ah non? Parce qu'il va avoir des boucs et du. Et foncer à bâtiment. Il n'était pas là-bas, il était déjà parti. Il avait déjà quitté la maison. Il n'y avait que les trois, les autres sont partis avec lui. Il avait que les jeunes là-bas, ils ont ramassé. C'est tout, agnon. Mais comment, monsieur Bissa, général Bissa, je viens de voir votre communiqué depuis matin au moment. Voilà ce que vous dites. Pourquoi vous jouez le jeu? Ou bien vous avez peur de votre vie, général Bangoura? Qui vous a traité? Qui vous a soigné? Après votre temps d'anonymat dans ce pays-là, qui t'a ramené sur la chaîne militaire? Ce n'est pas Alpha Condé, le président Alpha Condé. C'est lui qui t'a ramené, général Bissa. Vous, tout le monde, les officiers qui sont là, qui les a ramenés encore dans la scène, dans la chaîne militaire? Ndé, si ce n'est pas le président Alpha Condé. Et qui était le ministre de la Défense? C'était Dr. Yalé. Qui était le... Qui vous a ramené? Parce que vous êtes dans le... Dadis vous a mis dans l'oubliette. Ce Kouba vous a mis dans l'oubliette. C'est quand Alpha Condé est arrivé, il vous a ramené. Alpha Condé avait refusé l'exclusion. Il dit, vous reprenez tout le monde, vous réformez l'armée, et c'est ce qui fut fait. Toutes les unités faisaient des rotations de formation, soit à l'étranger ou bien à l'intérieur. À travers qui? À travers les officiers supérieurs, les anciens, à travers des nouveaux qui partaient à l'étranger. C'est comme ça que l'armée a été totalement restructurée, général Bissa. Pourquoi Oussama m'a dit, comment vous écoutez ce petit? Mon grand, moi, Escanté, respecte la famille. Bingé de Mantara Escanté, le prince. Pourquoi Oussama Dima? Pourquoi, général Bissa? Pourquoi vous suivez ce petit-là? Pourquoi? Vous savez, général Bissa, il y a un ministre sénégalais qui a été reconduit par le... C'est-à-dire Donc, général Bissa, j'ai vu votre communiqué. Pourquoi vous laissez? Parce que le ministre sénégalais, là, il paraîtrait. Moi, je n'ai pas l'information. Il paraîtrait. Lorsque Macky Sall ordonnait certaines actions, tu as vu, Ousmane Sonko n'est pas méchant, il n'est pas haineux. Regarde tous les ministres de Macky Sall. Celui qui a été pris et puis qui occupe un poste très important. Un poste très important. Il paraîtrait qu'il refusait les ordres. C'est-à-dire qu'il prenait les ordres, mais il avait sa façon d'exécuter les ordres reçus de Macky Sall. Et tout le monde l'avait remarqué au niveau de son département. Et il disait haut et fort devant tout le monde, général Bissa, je suis pour le Sénégal. Je suis pour les enfants du Sénégal. Donc, je ne suis pas pour un régime. Je travaille dans un gouvernement pour servir le peuple sénégalais. Je ne travaille pas dans un gouvernement pour servir un quelqu'un qui est en fin de mandat. Ça, c'était... Quand les Sonko sont arrivés, ils l'ont directement pris et nommé. Mais je vous le jure, général Bissa, vous êtes déjà mal... Vous êtes, c'est fini. Personne ne viendra au pouvoir vous reconduire. Et pourtant, vous êtes un très bon soldat. Un très bon militaire. Un très bon soldat. Même si quelqu'un ne vous aime pas là, moi je dis la vérité. Vous êtes un soldat aguerri, un très bon soldat. Vous savez très bien.
pas là. Ce petit n'arrive même pas à votre cheville. Vous avez vu ce qu'il a fait à Saliba? Mon général, regardez ce qu'il a fait à Saliba. Saliba et vous là, entre Saliba et vous. Qui est le supérieur de Saliba dans l'hiérarchie militaire? Pas en ce temps-là. C'était qui? C'était vous. Les Saliba ont grandi, ont évolué sous votre coupe, mon général. Mais pourquoi vous venez faire donner un coup? Pourquoi vous faites l'alerte là? J'ai un petit qui est au camp militaire de Kissidougou. Il paraîtrait qu'à Kissidougou aujourd'hui là, si tu sors hors du camp militaire sans permission, tu vas en prison. N'importe quel militaire. Le petit m'a appelé là. Nous avons reçu des manifestes ici là. Même si tu respires, tu vas en prison. C'est quelle histoire, monsieur, mon jeune abyss? Pourquoi vous cernez comme ça les gens qui veulent nous débarrasser de cette ordure? Pourquoi? Parce qu'on vous utilise, on sait ça. Ce n'est pas votre faute, je sais. On vous utilise pour se... Regardez, pourquoi dire à tous les militaires, si on t'appelle, il paraîtra, et puis si j'ai bien compris votre communiqué, si on appelle un militaire, il ne répond pas. Les 5 minutes qui vont suivre là, ils vont l'arrêter. C'est quoi? Vous avez vécu tant de lance à la côté. De surcroît, militaire a guéri autant de lance à la côté. Daddy, si vous en ignorez, Tekuba, vous allez d'accord, mais vous avez votre formation militaire qui ne va jamais quitter dans votre tête. On peut vous voler tout. Personne ne peut voler votre expérience. Vous n'avez pas entendu ça? Qu'on peut voler tout à quelqu'un, sauf son expérience. Pas son intelligence, mais son expérience. Vous n'êtes pas expérimenté? Vous n'êtes pas expérimenté? Vous n'êtes pas expérimenté, mon général? Vous n'êtes pas expérimenté? Ce petit-là connaît quoi dans l'armée? Qui était le patron des opérations des forces spéciales? C'était lui? Non. C'était qui? C'est un de vos petits. Un de vos enfants. Qui? Alia. Alia est le fils de qui? C'est le fils d'un général que vous avez servi. Alia. Alia était un académicien. Ce n'est pas un voyou, un fanfaron qu'on a ramassé comme ça, mais dans l'armée. Les Alia ont suivi des cours. Alia est allé à l'école. C'est un académicien, c'est des gens qui ont tout est ordonné dans les têtes. Et vous, mon général, vous êtes passé par où dans l'armée? Ou bien on vous a ramassé comme ça, formé, mettre dans l'armée? Non. Vous n'êtes pas académicien? Disons-nous la vérité, mon général. Pourquoi c'est communiqué? Pourquoi? Si Doumbouya était fort, Doumbouya, comme certains vauriens le disent, non, mon chef de tel, chef des armées, chef de tel, ils ont, il n'y a pas une appellation qu'ils n'ont pas attribuée au monsieur, ça passe pas. Mais vous savez, quand il est arrivé en Guinée, quand il a été recruté dans l'armée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas augmenté sa formation. Ils l'ont envoyé au Sénégal d'abord, parce que les gens ont vu qu'il avait un niveau de formation extrêmement bas. Et vous, mon général? Parce que je vais finir mon direct avec vous, dit non, Abba Soso une des reliefs là, et Nassoumbaya Kossi. Moi, je ne parle pas pour qu'on vous prenne. Hein. Moi, je ne vous ai pas dit d'aller attaquer Doumbouya. Mais je parle par rapport à votre communiqué. Pourquoi vous harcelez? Pourquoi vous mettez la pression sur les militaires? C'est le pourquoi. C'est ma question. Pourquoi? C'est la question. Je ne suis pas en train de dire d'aller attaquer Doumbouya. Ce n'est pas mon problème. Que Doumbouya flanque son comportement sur le peuple de Guinée, ce n'est pas mon problème à Benito. Parce que si jusque-là il est là, c'est parce que le peuple est d'accord. Sinon, un peuple qui est harcelé, un peuple qui est meurtri, un peuple qui est harcelé, ne va jamais accepter qu'un individu comme ça le gouverne jusqu'à présent, jusque-là. Ou bien vous n'avez pas vu lorsque le peuple, je le dis sincèrement, lorsque l'opposition n'était pas d'accord avec certains politiques du professeur Fakonde, il y avait des manifestations à tout moment. Mais aujourd'hui, regardez, quel est le syndicat qui appelle à manifester? Le syndicat, donnez-moi le nom. Je ne parle pas du nom d'un syndicat, le syndicat, le nom, l'appellation. Quel est le syndicat? Quel est le syndicat qui appelle à manifester? Personne. Ils ont fermé toutes les presses. C'est pas le journal Horea, le journal Horea. C'est-à-dire, est-ce que le journal Horea, Horea, ou je ne sais pas si c'est Afia ou quoi, les journaux là, les radios rurales, les radios, la RTG, est-ce que ces presses-là oseront dénoncer l'attitude, le comportement du bandit, du délinquant? Non!
Et voilà, aujourd'hui, on a trouvé Fana Souma qui est en train de réparer toutes les anciennes antennes de presse. Si, il était à Kassa pour la radio locale de Kassa. Il était au journal Horaire. Attendez. Il était au niveau du journal Horaire. Ils sont en train de réhabiliter le journal Horaire. Mais vous aussi. Quels sont les indices de notation d'un pays? C'est quoi? C'est le droit de l'homme, c'est la presse, c'est tout. C'est avec ça on note les pays. Regardez un petit qui a été tué aujourd'hui. Ses amis s'élèvent, c'était à cause d'Abdallah. Ses amis courent pour le récupérer, l'envoient à l'hôpital. Et puis on tire sur la foule. Dans un pays comme ça, là, qui va venir investir? Qui va venir investir dans un pays comme ça? Et vous parlez, quand je vois M. Baour nous dit, nous avons signé des accords avec des gens, des multi quoi. Vous pensez que les gens viendront financer dans un pays où on tire la balle sur quelqu'un? Bande d'animaux? Frère Timbo, comment vas-tu? Je vais lire votre communiqué. Il est là. On dit message radio. Ah, c'était sur le prince. Merci frère Sarko. C'était sur le prince. Ses amis courent pour le récupérer, l'envoient à l'hôpital. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On tire dans le tas. On dirait des animaux. Genabis, expliquez-moi ça. C'est ce qu'on vous a appris au niveau de l'école militaire. Même en temps de guerre. En temps de guerre, quand quelqu'un est à terre, là, les gens viennent le prendre. L'ambulance, on le met dedans pour l'envoyer rapidement à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on fait? On tire dans le tas. Là, on tire sur les enfants. Mais malgré ça, les enfants, là, j'ai entendu en poulard. Donc, il y a comme ça, parce que pour aider le petit. Mais il est mort dans les bras de ses amis. Et puis, ce qui me touche, ce qui est écœurant, je vois un commentaire d'un individu que jusque-là, les enfants là, n'ont pas compris pourquoi ils sortent. Ah oui. Que jusque-là, les enfants là, n'ont pas compris pourquoi ils sortent. Donc, réclamer. Mérite. Et quelqu'un va mettre dans mon commentaire là-bas, Alpha Condé aussi a fait comme ça. On se connaît. Même si c'est un âge que j'admire, que j'apprécie beaucoup. C'est Lula Ndiallo, devenir président. Il y a des manifestations, il y a des dérives qui vont arriver. Indépendant de la volonté de la Lula Ndiallo. Ça, ce sont les pouvoirs civils. Je préfère un pouvoir civil qui applique, parce que les pouvoirs civils, ils ont les armes légales, les armes autorisées contre les manifestations. Au moins, on le sait. Mais là, c'est les balles. C'est-à-dire, on tire dans le tas. Mais malheureusement, c'est avec le temps de Baouri que moi, j'ai appris qu'on préfère un régime militaire qu'un régime civil. Au temps de Baouri. C'est avec les nouveaux dirigeants-là, de nouveaux petits ministres, j'aurais appris que non, que le pouvoir militaire est une garantie par rapport à un pouvoir civil. N'importe quoi. Kaba, Moussa, comment vas-tu, mon frère? Et madame, Moussa Kaba, comment vas-tu? Je m'en vais lire ça, hein, mon général. C'est-à-dire, donnez-moi une minute. Wallah, Yannick, c'est dans le tas qu'ils ont tiré. Dans le tas. Et moi, j'entends dans la bouche de ces petits ministres et autres là qu'ils préfèrent un gouvernement militaire. Qu'au moins avec le gouvernement militaire là, que les projets sont garantis. Les projets qui sont garantis là, vous les voyez, hein? Grand frère Blaise Bangoura, comment vas-tu? Lamine Baono, frère, Marsoudé. Je vais lire ça pour vous. Après, je vais vous dire ce que Morissanda a fait. On dit message radio from say, bon, on connaît les communications radio. Bataillon autonome, bataillon d'infanterie, compagnie d'infanterie. Ils ont signalé. Remise immédiate, stop. Honneur, vous demandez, stop, de faire parvenir à l'état-major général des armées, stop, la SPA du vendredi 7 juin 2024. Stop, plus tard, 10 heures. Stop, toutes les permissions sur le territoire national sont annulées. Stop, tous les militaires doivent rejoindre leur unité d'origine
au plus tard le 10 juin 2024. Stop. Quiconque ne sera pas dans les rangs à cette date sera considéré comme déserteur. Stop. Toute évacuation sanitaire sur Conakry doit faire l'objet d'autorisation du SEMGA. Stop. Le SEMGA attache du prix à l'application correcte du présent message. Accusé réception avant 22h. Général de division, Ibrahim de Bangoura. Ah ouais. Tous les militaires doivent rejoindre leur unité d'origine. Est-ce que leur unité d'origine? Des évacuations sanitaires sous Conakry. Qu'un militaire crève. Nakadia, un militaire à Fonia est bon. Il est diabète ou il est accidenté. On dit non, il faut l'envoyer à Conakry pour le sauver. Côté que là encore. Oui, c'est ça. Voilà comment vous fonctionnez, monsieur Bangoura, le général Bangoura. Voilà. C'est à cause de ton message là. C'est ce que je m'en vais te dire. Ce que vous craignez là, il y a Colo qui vont vous attaquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, mon général Bis, tu sais très bien pertinemment que c'est un coup d'état militaire qui va prendre le petit. Ça, c'est deux. Troisièmement, il y a Colo, mon général Bangoura. Il y a Colo Bis. Il y a Colo Yati. Il y a des enfants là-bas. Il y a Colo Yati. Ils vont le prendre. Personne ne viendra de l'étranger pour le prendre. Aujourd'hui, je ne vais pas lire un autre document du FMI. Le FMI a fait sortir son document, le FMI. Le document est là-bas. Et encore, le rapport des Nations Unies, le rapport des Américains se trouve là-bas sur le droit de l'homme. Il n'y a, parce que personne, ces enfants-là, ces militaires-là ne veulent pas que leur nom soit associé à des crimes dans ce pays. Mais ils ont oublié que non, que leurs noms sont déjà associés. Ils ont oublié. Mon général, je vais terminer par ça. Pourquoi ils ont enlevé tant de sacrifices, sacrifices humains? Mon général, ils ont enterré des bœufs ici, vivants. Mon général, ils ont tué des bœufs ici dans tous les carrefours. Malgré tout ça, là, regardez. Rien ne... Tous les jours que Dieu fait, tous les jours que Dieu fait, ça devient compliqué. Ma chérie Kadbalé, comment vas-tu? Ouriba, on a un frère. Cheikh Tidiane, merci. Malgré tous ces sacrifices, le fétichisme, j'ai vu des individus ici lors du tournoi Interstate, qu'on le club des branding. Vous connaissez le branding? J'ai le respect pour les bagarres. Vous savez, c'est un ami qui m'a appelé. Nous avons étudié ensemble. Ansouman Aïda, il m'a appelé pour me dire, c'est un ami, nous avons étudié ensemble. Nous avons fait l'université ensemble. C'est mon ami. Il m'a appelé. Lorsque j'ai fait un direct, je parlais du branding. Celui qui m'a expliqué la signification du branding. Celui qui m'a détaillé, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le branding? C'est-à-dire, cette statuette représente quoi pour cette communauté? Quand j'ai compris là, je me suis barré. C'est mon ami, hein. Cousine, comment vas-tu? C'est mon ami, on était trop collés. T'as vu, je ne parle plus de ça. Et ce que lui m'a dit là, ça est dans ma tête ici. Miyo Berinara. Hari Asa, c'est Nenama. Il fait Kobi là-bas. À mon marché, c'est lui qui me l'a dit, hein. Il me dit, tu prends le branding là, tu affiches, tu mets dans des lieux impropres. Inatongo, il fait n'y a rira, bamirira. Tout sera tout. Écoute, anana fala, anana, hey. Parce qu'il dit, si c'est, il m'a toujours appelé si c'est. N'importe où, anana fala, et moi, je le connais. Il n'y a pas un bagarre propre plus que ce type-là, il est trop propre. Il n'y a pas un neutre de notre promotion qui n'a pas de respect pour lui. Car il m'a pris personnellement comme son ami à l'université. Il m'a semblé, il dit, si tu prends ça, tu mets sur un habit,
Tu prends ça, tu pèses, tu mets sur n'importe quel lieu et tu fais du mal à quelqu'un, tu vas le payer. C'est comme ça qu'il m'a dit, il dit, musulman Femara, chrétien Femara, Namu Tongoma, a utilisé Mire, non, Amurabama, mais les gens n'ont pas, Emakolo, Baganana, Baganana, Emakolo, Baga et Bilakolo. Les vrais bagas, et ma baga, les vrais bagas, Bilakolo, on ne blague pas avec ça. C'est ce que vous avez pris, on a fini jouer là, c'est devenu un jouet pour vous, un jouet. Un jouet. Je n'ai pas la baga ni la go. Un vrai baga, un digne baga. Bilako. Donc, je me limite là. Mais c'est. Oui, c'est. Oui, ma chérie, c'est spirituel et puis c'est traditionnel. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit que c'est question de traditionnel. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Comment on appelle ça? Le berger, Mouyasanda, Morisanda. C'est vrai, aujourd'hui, tu as envoyé notre frère à l'abattoir. Moi, je le dis, hein, que général Sadiba soit en vie, Sadiba soit mort, quelque chose arrive à Sadiba ou pas, je ne le souhaite pas. Hein. Je le dis sincèrement, je le répète encore, je le dis, je le précise. Mais si quelque chose arrive à Sadiba, je le dis devant mes abonnés, parce que ce sont les... Hein, les, qu'on appelle ça, les abonnés ont leur téléphone. Les téléphones de tous les abonnés sont des preuves pour nous un jour. Les téléphones, les contenus qu'ils gardent dans leur téléphone seront un jour nos vraies preuves. Nous, ils peuvent attaquer nos téléphones, ils peuvent attaquer nos données, tout. Hein? Morisanda Kouyaté, Morisanda, parce que c'est pas moi qui ai dit, c'est un frère. Tu as, il y a son commentaire sur ta page. Que tu es un griot maudit. Que tu n'es pas un vrai griot parce que tu mens. Le griot ne ment pas. Et toi, tu es un griot qui ment. Djeli Ouyafola te Djelibredi. C'est lui qui l'a dit. Frère Fadjonoway. Donc, j'arrête ma vidéo ici. Et donc, je le précise et je le dis. Si quelque chose arrive à Sadiba Koulibaly, si Sadiba Koulibaly, quelque chose arrive à Sadiba, le premier responsable c'est toi en tant que ministre des Affaires étrangères. Merci frère Maka, merci. Si quelque chose, merci pour les étoiles, grand frère, merci beaucoup pour les étoiles. Si Nafola Belen, Maninka Denidi, Manikade dit Sadiba est. Sadiba Fonem Manikade dit. C'est vrai. On prend les peuls pour faire du mal aux peuls. On connaît le système. On prend le soussou, on fait du mal au soussou. On prend le malinqué, on tue le malinqué. C'est comme ça. Les forestiers, on n'en parle même pas. Merci, frère Mispao. Merci beaucoup. Albar Kaboui pour les étoiles. Merci, grand frère. Merci, Koto. Nous connaissons ce système-là. C'est tout ça là que Alpha Condé a vu et dit je vais choisir un soussou. Mon parti va être arc-en-ciel. Mon parti montrera au monde entier qu'il est arc-en-ciel. Il a choisi un soussou. Le premier responsable de ce qui va arriver à Maurice, à Sadiba Koulibaly, c'est toi. Voilà ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Voilà ce qui s'est passé entre Morisanda et général Sadiba Koulibaly. Morisanda a pris son téléphone. Il a appelé Morisanda, son ministre tutelle maintenant. Je voudrais rentrer au pays pour une situation familiale. Je vous dis que c'est un intellectuel. Sadiba est un intellectuel. Sadiba ne va pas se ramasser comme ça, venir en Guinée sans informer son ministre. Il connaît le danger, il connaît. Bien avant ça, Doumbouya l'avait appelé pour lui demander qu'il paraîtrait que tu es en contact avec Alpha Condé, le président Alpha Condé.
est un intellectuel, il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je ne suis pas en contact avec l'ancien président, parce qu'ils aiment l'appeler l'ancien président. Je ne suis pas en contact avec lui. C'est tout. C'est Doumbia qu'il avait appelé entre-temps. Lors d'un... Bon, après, il a appelé Maurice. C'est Maurice Anna qui l'a accordé la permission. Il dit, tu peux venir. Maurice Anna lui dit qu'il peut venir. C'est son ministre tutelle. Le dernier conseil de ministre, lorsqu'ils ont appris que Maurice Anna, on demande à Maurice Anna, il dit que non, il a, Maurice Anna dit qu'il n'a pas autorisé à venir. Et voilà. Il dit qu'il n'a pas autorisé Sadiba à rentrer. Et pourtant, mettons le cas de Sadiba à côté. Il y a des diplomates qui voyagent, qui rentrent encore là, des mamans, des vieilles femmes aux affaires étrangères, des vieilles qui sont à New York, qui sont là, je crois une vieille là-bas. Elle vient juste de quitter Conakry. Il t'a demandé la permission. Il t'a demandé la permission. Une vieille ici à l'ambassade de France, au consulat à New York, qui sont là. Elle fait des va-et-vient, elle fait son commerce. Elle n'est pas venue pour travailler, elle fait son commerce. Il y a beaucoup de diplomates qui voyagent comme ça sans t'informer. Sadiba a pris le soin de t'appeler au téléphone pour te dire que je viens pour une situation familiale, un problème en famille. Lui au moins il t'a respecté, il a pris son téléphone, il t'a appelé. On te demande, tu dis non, je ne lui ai pas autorisé. Alors si quelqu'un arrive à cette qui est le responsable? C'est toi. Parce que tu ne mesures pas. Tu ne mesures pas. Tu ne sais pas, tu ne connais pas l'ampleur. C'est-à-dire tu ne sais pas ce qui est en jeu. Merci frère Tchernos Albaï. Avant tout, il est guinéen. Voilà un frère normal, un frère qui dit la vérité. Avant tout, c'est un guinéen. Il a le document guinéen, il peut voyager. Avant tout, c'est un guinéen. Merci Coton. Avant tout, c'est un guinéen. Avant tout, c'est un guinéen. Venir dans son pays, c'est un problème. Et puis on l'appelle au téléphone. Non, on dit Doumbia est parti. Mais dis donc. Le seul responsable, c'est qui va arriver à Sadiba. Je le dis, hein. Moi aussi, d'une coquera Sadiba là, Ouyasanda, moi aussi, t'es fouillé. D'une Sadiba Sara, Naika Sadiba Fa, d'une coquera Sadiba là, moi aussi, moi t'es fouillé. Il est le noy. Il est, moi aussi, t'es. Tu n'es pas un garçon, tu n'as même pas de couilles. On te demande, tu trembles. Je ne l'ai pas autorisé. Tu n'es pas un garçon. Hein. Il y a des ministres qui démissionnent sur place. Et puis tu as peur d'aller en prison. Tu as peur d'être humilié. Non, moi je n'ai jamais signifié de rentrer au pays. Tu n'as pas signifié. Et à la gendarmerie, c'est ce qu'il a dit. Tu as vu? Rentaré. Karambali Moyanga Hedaki. Il est toujours comme ça. Il a appelé. Non, il prend son téléphone. Il t'a appelé. Il dit, je veux me rendre en Guinée pour une situation telle, telle. Il t'a appelé pour le soin de t'appeler. Et toi, tu dis flagramment que non. Et puis, le geste, c'est le geste qui me touche. Non. Moi, je n'ai pas autorisé. Avec tes lèvres, avec tes grosses lèvres, là, on dirait perroquet. Non, moi je ne vais pas autoriser à rentrer. Entre Dieu et toi. Et puis tu vas aller dire Allah va couper après avoir vendu l'âme de ton compatriote, de ton frère, parce que tu l'as vendu. Tu sais très bien qu'ils vont le maltraiter. Tu sais très bien qu'ils vont le sacrifier. Tu sais très bien qu'ils vont lui faire du mal. Parce que, Mbara Falnyana, tous ceux qui s'amusent avec le truc minier là, vous ne connaissez pas l'enjeu minier de la Guinée. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle mine. Hé! Hey. Si le pays est fixé à une situation minière là, il faut avoir peur. Ça dit, Mamoulié, tous ceux qui pensent que le CNRD s'amuse parce qu'il y a un problème de mines, les mines. N'est-ce pas, tu étais incapable d'obtenir une place au sommet Afrique, Corée du Sud. Est-ce que tu as obtenu une place? C'est un échec pour toi dans les conditions normales. Je dis, mais dans les conditions normales, tu dois être remercié. Le sommet qui vient de se tenir entre l'Afrique et la Corée du Sud, un sommet dont tous les pays qui ont participé ont bénéficié le partage de 10 milliards de dollars.
et puis de l'argent d'investissement. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout fait pour avoir une place. Tu as vu, non? Les pays, ce sont des pays sérieux. Tu connais le mot sérieux? Des pays sérieux. La Corée du Sud est un pays sérieux. Voilà, ils ne traitent pas avec des délinquants. Quand j'ai entendu dans la gueule de ton ministre des Finances que comme les institutions financières internationales ne viennent pas en Guinée, oh, ils se tournent vers les Arabes. Les Arabes, c'est les businessmen. Et ça ne garantit pas l'économie d'un pays. Tu comprends? Les autres là, tu as vu le président mauritanien parce qu'il est élu. Tu as vu le président Ouattara parce qu'il est élu. Tu as vu le président tanzanien parce qu'il est élu. C'est les gens qui sont élus qui ont été invités. C'est dont le peuple a choisi. C'est le peuple. Le peuple, le choix du peuple. Il est le propriétaire du pouvoir, pas un délinquant. Ceux qui prennent les armes pour attaquer la démocratie. Non, ils n'ont pas leur place là-bas. Regardez-moi, 10 milliards de dollars. 10 milliards. L'investissement dans l'agriculture, les mines et autres. Les pays là vont bénéficier de ça. Et puis, ça en fonction de leur demande. Dans quel... L'argent est déjà débloqué. Maintenant, vous voulez qu'on investisse ça dans quel domaine? Chaque pays donnera les priorités, les domaines dans lesquels ils vont investir. Et puis, ils vont venir mettre l'argent là-bas. Là. Toi, tu penses qu'ils vont envoyer ça dans ton pays là? Un pays médiocre comme ça là? Un pays à terre? Hein? Allez, Malobalia, même la Guinée, il faut coucher les filles des vieux comme ça, de 70 à 75 ans. Coucher des petites filles de 22 ans, 23 ans. Qu'on a quoi? Ah, voilà. On dit la Côte d'Ivoire, ça en prend 1 milliard dedans. C'est un pays sérieux, regarde la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pité de ce pays-là. Tous les jours, c'est les photos des petites filles avec nos responsables qu'on balance dans nos téléphones. Moi, quand je vois ça, je me dis, non, c'est pas la peine. Il y a de ces filles-là, ils ont le même âge que votre quatrième enfant. Adiwa Kakusibo, là. Vous fermez les yeux, vous déculottez ces petites filles de 25 ans qui ont l'équivalent même de l'âge de vos petits-enfants. Certains parmi vous. Et puis, vous n'avez même pas... Et puis, le lendemain, là, Allahu Akbar, non, et Assalamu alaikum. Même diable que vous êtes.